Et bonjour à tous et bienvenue sur Gameloft pour cette nouvelle rubrique intitulée le Redact Challenge. Alors le principe est simple, on prend un jeu et on voit qui de nous quatre arrive le plus loin en 10 minutes chrono. Donc pour cette toute première, on a décidé de jouer à quoi, Pierre ? Donc c'est Binding of Isaac, donc on va jouer à la version Roberts qui est sortie en 2014. Le but ça sera d'aller d'étage en étage, sachant qu'en fait il y a un côté roguelike assez particulier puisque on va récupérer à chaque fois dans chaque salle, il y aura un objet aléatoire. Et donc cet objet aléatoire va permettre de booster les compétences de notre personnage. Et donc c'est pour ça que dans ce challenge, on s'interdit la possibilité de reroller à chaque fois. Donc c'est-à-dire recommencer la partie pour prendre le meilleur objet. Donc on fait une seule run et on regarde après lequel ira le plus loin, voilà, en 10 minutes. Très bien. Donc juste pour info, qui c'est qui a déjà joué à un jeu ? 58 heures. Je crois que toi, c'est 12 minutes, donc c'est bon. On va être à peu près au même niveau, je pense. Et ben donc on va se lancer, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Et puis bien sûr il y aura un petit gage pour le perdant. Alors on sait pas encore, corvée de chiottes ou n'importe quoi, peut-être la prochaine émission quelqu'un viendra, enfin celui qui aura fini dernier viendra déguisé. On verra si je suis perdant ou autre chose. Voilà, donc et ben allez, on commence. Gaz, c'est parti. Are you ready? Fight! Ok. Bon, en espérant qu'on va avoir un minimum de chance. Bon, directement la salle. Poison de Mage. Je suis pas vraiment fan. Oh, oh. Pourquoi il... Pourquoi il tire pas en haut, ce con? Oh! Ah mais d'accord. Ça fait mal. Je sens que je vais me faire piner. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on attire. Alors j'ai vraiment pas de bol parce que j'ai que des salles immenses. Allez, putain, direct. Saloperie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? The Fool. Ok, on va la garder pour le boss. Mmh. Finalement, je vais pas prendre les cœurs. Ça doit être le boss. Ouah, ce bordel, faut gérer les deux sticks, c'est super chaud. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Ouah, si putain, les jambes de papa. C'est pété. C'est pété. Donc là, j'ai deux spoons qui me permettent d'aller plus vite. Donc ça va pas me servir à grand-chose. Bâtard. C'est quoi toutes ces crottes alors du coup? Dégueulasse. Comment utiliser ces putains de bombes là? Ok. Allez, tiens. Je vais te faire exploser la gueule, ça. Hop, encore une pilule. On s'en moque. Monstro. Donc très facile. Parce que il est super lent, mais c'est un sac à PV, ça va nous mettre super longtemps pour tirer. Steam Cell, je crois. C'est de la vie, ça. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Run bien engagé. Wouah! Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Wouah! C'était quoi ce délire? Ah putain. N'importe quoi.
Alors je me bats contre des crottes là, si j'ai bien compris. Ah putain, cassez-vous de là. Ah, je me fais toucher comme une merde, bon ça. Le boss. Bon, alors j'ai vraiment pas de chance. Parce que je tombe sur une double room. Je sais pas combien de temps il me reste, mais à mon avis, je suis dans la merde. Il est où cet enfoiré? Ça va vite ça. Et si je crève, il se passe quoi? C'est quoi cette bombe? Ok. Bâtard. Oh, je suis nul. Ouais, j'ai pas mal de clés, on peut tester ça. Ah oh, putain, ouais, non, mais les mecs, j'ai pas autant de clés que ça, quoi. Allez. Là, j'utilise une bombe pour sortir tout de suite de cette pièce parce qu'il n'y a rien dedans. Hop là, bon. Ça c'est pour foncer sur les ennemis, on s'en moque. Petit caca. Ouah, comme ça me casse les couilles. Putain, pourquoi c'est jamais des runs comme ça que je me tape sur ma sauvegarde? Toujours des runs de merde. Ah putain, rentre pas si vite dans les salles. Et Gurdy, le personnage que je déteste le plus. Parce qu'il est super long. C'est chaud de gérer les deux joysticks là. Où quoi? Non, pas du début. Allez, je prends la pilule. Pretty fly, nice. Oh putain, mais ils sont chiants. Hein. Pourquoi je me tape? Et voilà, c'est fini. Ah, bordel! Oh non. Ok. Bon, bah c'est bon pour moi. On verra ce que ça donne. Hein. Non! C'est terminé. Bon, bah je crois que c'est bon. On va compter quand même le boss de battu. Ah, j'aurais bien continué cette petite run. Et bah voilà, le verdict est tombé. Du coup, le premier, c'est Pierre. On s'y attendait tous un petit peu. Le deuxième, Yo. Troisième, la surprise, c'est pour ma gueule. Je pense que j'ai mis énormément de chat. Et le dernier, malheureusement, c'est Sly. Donc, le gage, certainement, ce sera de venir déguisé pour la prochaine émission. Yeah. En quoi, on sait pas encore, donc même si vous avez des idées, partagez-les dans les commentaires, on prendra le meilleur ou le plus intéressant, le plus humiliant peut-être. Et donc voilà, donc Pierre, toi t'as un petit mot à dire sur... Bah pour sa décharge, Sly en fait a été dans une Devil Room et il a donné des cœurs contre un objet, seulement il avait pas assez de cœurs, du coup il est mort. Mais sinon, je pense que ça serait vraiment jouer au coude à coude entre vous deux quoi. Du coup, il y a un niveau de différence. C'est bien ce que je dis, donc j'ai eu énormément de chat. Quoi. C'est ça. On cherche de revanche. Eh bien, ça compte. Bon, et ben voilà, on espère que ça vous aura plu. Et puis, à très vite pour une prochaine émission, du coup. Salut. Ciao. Salut. Salut.